Je suis parti à Dublin Business School. Ça a été 3 semaines super sympas, pas mal de découvertes au niveau du pays, de la ville, des rencontres internationales, parce que un système de colloques, etc. Et c'était plutôt sympa, plutôt agréable, une bonne ambiance festive et en même temps un peu studieuse quand même. En gros, c'est des cours, tout est basé sur la création d'une start-up, donc de la création du business plan à l'implémentation sur le marché irlandais. C'est relativement intéressant, relativement bien fait et on s'y croit vraiment en fait. C'est assez agréable. En fait, les profs arrivent un peu et déclinent le cours un peu à leur sauce. Donc le prof de marketing arrive et présente des cas et puis demande une certaine réflexion, puis après propose des solutions, écoute un peu ce qui se dit, etc. Et puis derrière tout ça, il en profite pour faire une synthèse et continuer dans le cours. D'autres qui arrivent nous mettent directement dans l'ambiance du projet et nous disent « bon bah voilà, il faut que vous fassiez tel exercice, vous récupérez les informations et vous le mettrez dans votre projet, et puis voilà. » Donc après on fait des tables rondes par équipe. Donc c'est un peu à la française quand on travaille sur des projets. Easy Dublin, c'en est un qui a plu à beaucoup de personnes. Ça fait des colocations internationales, on est complètement mixé, les prix sont relativement abordables et on n'est pas trop mal situé. Au niveau prix d'avion, etc., c'est plutôt abordable. Les prix sur place sont un peu plus chers que ce qu'on peut trouver ici, mais derrière il y a toute l'ambiance, tous les bars, tous les paysages de l'Irlande, le Connemara que je conseille vraiment, certaines villes comme Galway qui sont magnifiques, ce genre de choses. L'ambiance des cours, les profs font en sorte que les cours soient intéressants, soient interactifs, et essayent toujours de laisser un peu de temps libre, c'est-à-dire que les cours sont organisés sur des semaines de 4 jours. Donc ça laisse du temps derrière pour visiter, pour profiter de la ville. On a fait une soirée avec les colocs qui s'est terminée à 3h du matin. On devait se lever à 5h du matin pour récupérer un bus pour partir au week-end pour faire le tour du Connemara sur 2 jours. Donc assez intense mine de rien, mais très sympa. Et finalement on a pu dormir un peu dans le bus et encore heureux. Mais voilà, c'est le meilleur souvenir.